dimanche 24 février 2019. La deuxième vidéo de la journée. Alors, nous sommes sur les chemtrails, sur le témoignage de notre médecin Jean-François Comé et la santé. Les ressentis décrits par ce même médecin. Et je cite, « Nous quittons la métropole, il part en avion en Guadeloupe, hein, dont le ciel est couvert de chemtrails. J'emporte avec moi un encombrement nasal permanent, m'obligeant quotidiennement à un nettoyage des fosses nasales. Je prévois quelques jours avant le départ quelques aérosols d'argent colloïdal pour prévenir un éventuel catarrhe tubaire en avion. J'emporte aussi un acouphène persistant, une tendinite au pied droit et des reflux gastriques qui apparaissent lorsque je consomme le moindre aliment contenant du gluten. Mon épouse emporte avec elle une névralgie de la hanche qui traîne depuis quelque temps. Arrivé aux Antilles, un ciel bleu immaculé, sauf par moment des grains de pluie subis. Mais en tout cas, durant les 15 jours de notre séjour, nous n'avons pu apercevoir que des nuages naturels et sans chemtrails. Il est vrai, comme il dit, en souriant jaune, n'est-ce pas, que les habitants sont déjà bien servis avec la rémanence de la chlordénone, cet insecticide de merde, enfin c'est pas lui qui l'a dit, qui avait été largement utilisé pour éviter certains insectes voraces pour détruire les bananes. Bien que son usage ait été abandonné depuis quelques années, les résidus contenus dans la terre sont capables, tenez-vous bien, de provoquer de multiples cancers, dont surtout celui de la prostate. Sitôt arrivé, nous constatons une disparition totale de toutes nos pathologies. Tant pour moi que pour mon épouse. Et encore plus étonnant, j'ai mangé du pain sans aucun reflux ni aucune gêne digestive. En outre, très surpris de constater que mon acouphène avait totalement disparu. Alors que je ne pouvais désactiver la Wi-Fi dans notre location, comme je le fais chaque soir à mon domicile. Après ces 15 jours de rêve, au retour vers Paris, j'ai même mangé le petit pain proposé par Air France, n'est-ce pas? Et il a été parfaitement accepté par mon tube digestif. C'est-il pas beau, ça, madame? Arrivé à Orly, reprise de la navette pour Toulouse, après une heure d'attente dans l'aérogare, et donc de respiration du bon air de la métropole. Et paf! Sitôt dans l'avion, j'ai la narine gauche qui s'encombre et se bouche, et des difficultés pour déboucher l'oreille gauche pendant la descente. Arrivé chez nous, tout est revenu. Mon acouphène, la douleur de hanche de mon épouse, à la tendinite de mon pied droit, dont j'avais oublié l'existence lors des randonnées pédestres que nous fîmes dans les îles. Pauvre vieux, il va falloir que tu repartes en Guadeloupe. D'aucuns diront que c'était la décontraction des vacances. Or, j'ai séjourné en vacances dans de nombreux pays, ou en France, tous arrosés par les avions de l'OTAN, sans jamais observer un quelconque changement dans ma physiologie.
il oublie celle de sa femme, n'est-ce pas? Enfin, tout ceci pour dire que nous sommes empoisonnés, puis appauvris, dernièrement, puis asservis, et si ça continue, envahis. Merci, Monsieur Macron, ne vous inquiétez pas, vous aurez mon vote lors des européennes. Je resterai tranquillement à la maison pour produire mes légumes et pour vous faire la nique. À bon entendeur, salut Macron, mais je peux te dire que nous ne t'aimons point dans le pays. Merci, chers télévisionneurs, et à bientôt.